Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Il est 8h du matin et je m'apprête à partir pour Paris parce qu'aujourd'hui j'organise deux événements yoga. Je suis déjà en tenue. Un pour des copines influenceuses et un autre pour 12 abonnés. J'ai trop hâte. C'est dans le cadre de la sortie de ma box avec Blissim que je vous ai présentée dans le vlog dernier. Du coup, voilà, on s'était dit que ce serait cool de présenter de vive voix à certaines personnes le projet et de partager un petit moment actif, sympa. Du coup, je fais l'aller-retour aujourd'hui. Je vais rentrer ce soir assez tard. Mais comme ça, je passe un week-end à Rennes tranquillou et je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. J'ai fait un truc bizarre, j'ai commandé ma propre box juste pour pouvoir vivre ce moment où je la déballe. J'ai fait un one pot poulet avec la marinade à la moutarde et au miel. Ce n'est pas encore cuit, je vous rassure, mais ça va être très très bon, je pense. Ce week-end, on est vraiment sur un thème week-end cosy à la maison. On n'a rien trop de prévu. On est allé au marché ce matin. On s'est fait un petit poisson ce midi. Trop trop bon. Et là, j'ai enfilé mon jogging, mes chaussons. J'ai reçu le parfait colis de la part de Universal. Je suis trop tente. Mon préf. Avec Billy. Je l'ai nommé Phineas. J'ai reçu le vinyle de son nouvel album. Nouvel album que je connais déjà par cœur, bien entendu. Ouh. Avec vraiment un kit d'écoute avec des petits mouchoirs pour essuyer ses larmes de mélancolie et M&M's bon bec et des sachets de thé, mais j'adore, trop bien, je suis fan, je vais aller écouter ça. Je profite d'un beau rayon de soleil ce matin pour aller faire un footing d'une heure, prendre un petit peu l'air. Moi, je la trouve jolie. Maman, les trucs pendants, tu les mettrais plutôt au centre. Il se tient pas du tout. Oh là là, il s'émiette. Mais c'est pas grave. Non mais genre, vraiment pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu t'en fous? Non, il faut que tu mettes une couche supplémentaire de terreau. Ah, avant de mettre les trucs. Voilà. Je vous reprends, nous sommes jeudi,
et je me suis dit que j'allais vous emmener dans toute ma fin de semaine là, jusqu'à dimanche. Ça sera l'image de ce début d'automne qui est très agréable, j'adore. Hier il a plu toute l'après-midi, c'était trop bien. Je crois que c'est vraiment une de mes saisons préférées. J'ai reçu deux colis que j'attendais, très contente. On va les ouvrir ensemble et il y a plein de choses qu'il faut que je vous raconte. Je suis en tenue de sport actuellement, parce que je vais aller courir là ce midi. En rapport avec ça, je voulais vous dire que dans les prochains vlogs, il risque d'y avoir pas mal de courses, de yoga. 2025, c'est l'année du marathon pour moi. Coucou toi, tu viens dire bonjour. Hop. Si tout se passe bien, j'ai mon dossard pour un marathon et la préparation commence bientôt puisque le marathon est en février 2025. Je suis très 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 excitée de cette nouvelle. Ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé la course à pied de façon totalement inégale, avec des années où j'ai bien plus couru que d'autres. Mais c'est la première année là où j'ai vraiment l'envie profonde de le faire et que je me sens à peu près capable de tenir une préparation parce que la prépa ça va pas être drôle tous les jours puisqu'il va falloir aller courir là 4 fois par semaine pendant les mois de novembre, décembre, janvier, donc ça va être... Tout ça va nécessiter de l'entraînement et de la régularité, ce qui n'est pas mon fort. Mais c'est justement là où je trouve que c'est très intéressant de préparer des courses, c'est que personnellement ça va me pousser et ça va me faire du bien. Mais je suis trop excitée, surtout qu'on est un petit groupe à Rennes à partir le faire ensemble, donc forcément ça me motive. Et deuxième info que je voulais vous raconter également, vous allez aussi beaucoup me voir chez ma maman prochainement parce qu'elle a déménagé en Bretagne. C'est fou. C'est complètement fou. Elle a déménagé à 30 minutes de chez moi. C'est la première fois en presque 10 ans que je l'ai près de chez moi. J'ai grandi dans la région parisienne et ensuite elle est partie un petit plus dans le sud, dans le Gers, où elle y a habité là pendant 7 ans. Et la vie est belle puisque elle a décidé de déménager et de venir en Bretagne. Je suis trop contente. Je réalise que c'est vraiment un kiff de pouvoir aller la voir spontanément. Vous avez vu l'autre jour, j'étais chez elle en train de faire du jardinage et je me disais c'est trop bien, voilà. La veille on était allé au cinéma, enfin voilà. C'est trop trop cool d'avoir un repère aussi en Bretagne parce que bah, je pense que ça me manquait la proximité avec mes amis, ma famille, tout ça. Et en même temps c'était pas du tout prévu donc c'est vraiment une belle surprise de la vie. On va s'éclater, on va faire plein de trucs. En plus ma mère, on se ressemble de plus en plus donc tout ce qui est rando etc, on va se régaler. Ici. Et voilà, c'était deux petits updates de vie. J'espère que vous, ça va. J'ai commandé un petit truc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la part de Benefit. Benetint. Mais je l'ai déjà, ça. Je devrais pas l'ouvrir. À l'approche de Noël, je vous ferai des petits concours. Donc, je vais plutôt garder ça pour vous. Et ça, qu'est-ce que c'est? Petit colis de la part de Birkenstock. Waouh! Birkenstock s'est lancé dans les produits, relancé même, dans les produits de beauté, dans les cosmétiques, avec une gamme pour les pieds du coup. Et moi j'adore prendre soin de mes pieds, c'est bizarre dit comme ça. Huile sèche réconfortante, c'est trop bien. Et sel de bain relaxant. Surtout depuis que je fais de la rando et de la course à pied, il faut prendre soin de ses pieds, c'est vraiment sous-côté. C'est quand même ce qui nous porte toute la journée. Aujourd'hui je vais courir avec mes Pegasus 41, qui sont vraiment fluorescentes, je les adore. Qui sont vraiment les chaussures à tout faire. Elles sont parfaites en footing, même jour de course, même pour les séances spécifiques, elles sont trop trop bien. Ma montre, c'est une Garmin Venue 3. Elle est tactile, elle est très pratique. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup la 245 Forerunner. Ma ceinture pour courir, pour mettre mon téléphone, c'est une ceinture que j'avais trouvée il y a très longtemps sur Amazon. Vous mesurez votre tour de taille et ils vous conseillent une taille de ceinture et c'est vraiment parfait pour mettre écouteurs, clés, portables, les gels pour les sorties longues. On peut tout mettre dedans et ça ne bouge pas et ça fait pas ploc ploc quand on court. Très important. Petite patte devant Michel que j'adore. Apparemment c'est la journée des colis puisque j'ai reçu ma commande Dijo. C'est pas du tout un partenariat, ils m'ont pas offert les produits. Je les ai commandés parce que c'est vraiment les probiotiques vers lesquels je me tourne à chaque fois que j'ai des petits soucis au niveau du ventre. Et vu que là j'ai terminé ma cure de fer, faut que j'aille faire la prise de sang d'ailleurs demain pour voir si ça a fonctionné. Et mon ventre est un peu en bordel. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite cure de probiotiques et tester aussi le magnésium. Et je viens de voir qu'ils font un lien de parrainage pour que vous ayez 20 euros offerts sur votre première commande. Et moi, je reçois 20 euros en récompense. J'adore le principe. Je vous mets le lien de parrainage dans la bio, enfin dans la description, si ça vous intéresse. Bon, cet après-midi, on n'est pas sur une après-midi hyper excitante, puisque je travaille à la maison. Je me suis fait mon petit spot là pour changer un petit peu. Ceux qui télétravaillent savent. J'en ai marre d'être sur ma table là-bas. Donc,
un peu de changement. Est-ce qu'on se fait un petit timelapse un peu cosy? Je viens de recevoir le truc le plus mignon. C'est tellement gentil. Il y a moins d'un an, je pense. C'était sur Instagram. Je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube. Mais en fait, je faisais partie du crew Nike, comme vous savez. Et j'avais eu l'opportunité incroyable de pouvoir intégrer 5 personnes. 5 de mes abonnés au crew. Vous allez pouvoir avec nous vous entraîner avec les coachs. C'était le mardi et le jeudi. Également réaliser le semi de Lille. Faire vraiment partie de l'équipe avec les autres créateurs de contenu, les journalistes, etc. 5 abonnés avaient rejoint le crew. Et ils m'ont offert ce petit bouquet aujourd'hui parce que l'aventure touche à sa fin. Et franchement, ça me touche beaucoup. Donc merci Clara, Emma, Pierre, Marie et Juliette. Vous étiez plus assidus que moi. Vous êtes allés à beaucoup plus d'entraînements que moi, parce que moi j'ai déménagé à Rennes malheureusement, donc j'ai pas pu vous voir autant que prévu. Et c'est vraiment pour ces opportunités-là que je fais ce taf, parce que c'est bien mignon de recevoir des trucs, d'avoir des collabs de fou, mais le mieux c'est de pouvoir le partager et de pouvoir rendre un petit peu de du love que je reçois, de pouvoir le repartager. Et si ça vous a plu, je suis refaite. Il est 16h, je viens de rentrer de ma journée qui était trop cool. J'ai commencé par quoi? Ma prise de sang. Ensuite, je suis allée travailler dans une petite boulangerie-pâtisserie que j'adore. Ensuite, il y avait yoga. Et me voilà pour reprendre un petit peu à travailler. Du coup, pour me motiver, j'avais envie de tester ça. C'est un golden latte. C'est à base de curcuma, cannelle, gingembre, je crois. Détox, immunité, antioxydant. Oh, mes résultats d'analyse. Oh, mazette. Oh, incroyable. Ferritine était à 8 en juin. Elle est actuellement de 62. Oh, je vais arrêter ce traitement de malheur. Là, on est en forme. Bref, pour fêter ça, nous allons faire un golden latte. J'ai reçu ça de la part de la marque Racine, une petite marque familiale du sud de la France, à Hyères. Et du coup, il faut que je me fasse chauffer un petit peu de lait. Oh, c'est trop bon. Nous sommes dimanche, il est 8h50 et je dois aller courir. Je veux caler ma course ce matin, comme ça cet après-midi je suis tranquille. Il y a ma maman qui vient sur Rennes et on va aller bruncher. Je vous termine ce vlog dans le canapé, sous le plaid, parce que les 16 km de ce matin m'ont décalqué.
franchement. On est allé bruncher dans un salon de thé anglais. Et en fait, il y a souvent beaucoup de monde. Tu peux pas trop y arriver à l'improviste. Surtout le dimanche, il faut réserver. Et on s'est régalé. Franchement, si vous passez par Rennes, c'est un menu unique. C'était ultra frais, très gourmand et ça coûte vraiment pas cher du tout. Voilà, et après on était du coup avec ma tante et ma maman et on s'est baladé en Rennes. Et voilà, là il est 18h, dimanche soir. Demain je vais commencer le montage de ce vlog. Et puis voilà, j'espère que ces petites journées vous ont plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.